entrer dans la cité. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance. 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Les prédictions ou les prophéties destructrices sur Haïti se multiplient. Comment le pays doit-il se préparer pour faire face à tout éventuel événement et catastrophique? L'avenir d'Haïti est-il menacé prophétiquement? Pour commenter ce sujet spirituel, le franc-maçon et kabbaliste et Marc-Arthur Drouillard, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir prophétiquement Marc-Arthur Drouillard, bienvenue à Blocus, véritable passerelle d'échange du débat constructif et de propositions. Bonsoir Pierre-Richard Guillaume, et c'est un plaisir pour moi, retrouver dans l'émission PAMNA, Blocus, que quelque temps, un peu le monde m'a demandé présence main, il y aurait des mains, et que je dis à moi, c'est que c'est un plaisir pour moi, ça m'a voir et m'a profité de saluer toute diaspora que mon on gagne d'ailleurs papa et que émission ça c'est émission diaspora. Je salue tout le monde en Haïti tout qui dans moment ça regarde émission ça Blocus qui c'est émission pas peuple haïtien. Tout à fait, même à Katsura et n'a rentré de plein fouet dans débat. Le pays est-il aujourd'hui dans l'œil du cyclone prophétique? Réponse en Xalier. Moi, je crois que la question là, il y a un peu de précision là-dedans. Et la question là pas innocente. C'est-à-dire qu'au centre, on a qu'il faut poser la question. Hein. Et on a dit oui, parce que toute prévision que tu as faite sur Haïti, nous t'a dit que le pays, il hein, en fait un cycle. Fait un cycle là, on veut dire que le pays, il gagne leur renaissance. En tant que nation, du mot nation, qui signifie être et naître. Et à partir du moment que l'on prend naissance, eh bien, l'on gagne tout et on égrégore. Eh bien, à partir de l'égrégore, ça, et Jean, ça a commencé, il a déjà dit nous comment faire à pied. Mm-hmm. Parce que c'est le même principe au robot, c'est serpent qui mordait que le commencement toujours avec fin et fin toujours avec commencement. Cela signifie que nous avons un pays qui commence l'histoire de nos catastrophes politiques et sociales et que avec la mort empereur Jean-Jacques Ier, eh bien nous croyons que le pays est sur le point de et comme si et grand monde qui dans dimension Jean-Jacques Ier cap dit que si citoyens ont pas soulevé, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. C'est-à-dire que moi je dis qui ça action que Jean-Jacques Ier a fait, il était positif pour le pays. Action président actuel a fait, capable, positif. Mais vision, le peuple, est-ce que le recevoir? Est-ce que la nation a compris? Est-ce que li pas plus paraître en insulte? Cela signifie que nous avons vivre le même principe. J'ai nation de dérapé. On Jean-Jacques Ier qui commençait et a fait des bagages, a pris des décisions pour réguler le système social. Là. Et puis, qui fait des bagailles, lui-même encore dit si citoyens pas soulevé, parce que le connaît, lui osé, lui fait des bagailles qu'un ken chef d'État pas d'abjam supposé faire. Eh bien, président Nouan, lui-même, lui fait, eh bien, lui fait des bagailles actuellement que tout le monde a questionné et que même François Duvalier pas arrivé faire. C'est-à-dire que nous commençons un cycle, nous finissons un cycle. Et m'de annoncé lui, c'est ton point nous déprend, et point ça, il était géré sous planète ça que aurait les Pluton. Li son point de 229 l'année cap terminé et exactement dans année 2021. Eh bien et après ça
Jean Pluton toujours fait depuis le passé non si li régénéré il y a espoir pour Haïti c'est sûr que bagaille va modifier va changer mais l'année 2020 que nous te prévoir tout problème yo et que cérémonie moi carrément mal célébré mais président Jovenel Jean nous t'ai annoncé li cap gen difficulté pour traverser année hein en bien lui même li gen dimension parle dimension mystique parle on prend m'a fait me dit gros bagaille depuis nous commencer men ou bien commencer sous madame ni madame n'a perdu maman et puis après sous Jovenel perdu papa c'est-à-dire gen ni un garçon ni femme dans l'amour cap défendre pouvoir ça et c'est ça que gen grand dans monde là il a prendre décision peut-être. Ça veut dire que il y a gros pour gros décision, il a pris une décision démocratique ou antidémocratique. On pas connait que si le démocratique antidémocratique, mais c'est des décisions, aucune décision, aucun président pas de preuve. Et c'est parce que yo géré peut-être plein le monde, rit garder que ne gérer, non bois caïman point de prendre. On pense que président pense sur rit point et c'est sur rit point la gérer parce que 2020 me dit que on pas comment on va le passer. Premièrement, tao te que maman madame aller ta ou teke, et dans qui moment? Pendant période président qui aux États-Unis, j'en dis qu'on triangle, Haïti, États-Unis, la France, faut que vous ayez une tête sa yo, qui tombe dans le gros pays ça, dans le gros pays ça yo, dans le trois pays ça yo, en bien, dans mon moment, ou al suivi bien, trop teke corona, pendant ton rétabli, papa Jovenel tombe. Ça dit Jovenel pour qu'on aille, il a toujours. Ou même que papa Fontial kembe pou li. On a là que tout le monde qui fait opposition comprenne que il y a une dimension mystique dans sa président géré là. Il a toujours, il a toujours appuyé mais moi là pour me dénoncer mystiquement et expliquer mystiquement ce qui a passé politiquement. Il a toujours prophétiquement et m'a connait, il a pour 7 février ou bien l'attendre 2021 ou bien 2022, je ne sais pas. Bon, et pour dire ça, sa prophétie a dit monsieur, si monsieur qui a géré bagage ça dans dimension ça. Côté que gen deux mois en femme mon garçon qui crée équilibre que opposition met gen nan moun dal li même oui parce que gen mobilisation qu'a fait pour que mobilisation quitte pouvoir en février et qu'a vinn là 2021 c'est que ce premier président qui arrivé casser volonté de critique manifesté par haïtien li fout tout 60 jours pays fermé et puis il rete li prend gel la gado ça veut dire chaque fois on prend le faire on lock. Ou bien on va faire une manifestation, ensemble, peuple réfléchit qui ça l'a utile. Moun moui, pas de résultat. Qu'on y a peuple, peut-être, qui a un autre bagaille derrière, qui n'a pas ni manifestation pacifique, ni un autre bagaille. Est-ce que y a une force d'opposition mystiquement qui a déclenché ça? Mais jusqu'à présent, peuple n'a pas sous bois moun yo, n'a question à parler. Parce que, monsieur met gren dans moun dal, lui montre que c'est pas ça qui a fait mal, moi-même. C'est la prophétie. Ah, bah, c'est prophétie lié. Mais d'accord. Donc 7 février, j'en dis la prête en place. OK, yes, OK mon. Non, mais on question même sous fait. C'est prophétie, m'a regardé, m'a questionné. OK, ça veut dire que la plat pour 22 2022, selon prophétie ou bail là parce que c'est question m'a posé. Pour soit dit 2022. Non, même sous 2000. Moi même gagne l'émission me dit pas gain démocratie là encore. OK. Et monde là j'ai pour pas gain démocratie. C'est pas Haïti seulement. Gardez Jean, le président des États-Unis, a parlé. Nous avons capé nos émissions, nos radios, depuis avant, pendant que nous avons dit avec nous, nous n'avons pas de démocratie. On va suivre là. Si vous parlez de démocratie, bon démocratie, est-ce que nous faisons bien ou bien fait nous mal? Ouais? Nous ne pouvons pas appliquer en rien. Si nous avons des mandats, nous sommes anarchistes. Maintenant, nous avons un grand monde, nous avons tout ça programmé pour le faire. C'est-à-dire que nous avons dit, tu ne dis pas qu'il y a une démocratie, je ne même comprendre. Maintenant, nous avons dit, ça va passer. Quand nous avons droit de l'homme qui est bon. Nous avons dit, il y a une photo. Droit de l'homme qui ça. Cela signifie que, c'est pour nous dire que, nous avons fait de date 2021-2022, ou quand il fait nos points tout, et pour nous, monsieur, était net. Ça sont leurs prophéties. Ah mon cher. Non mais ouais. Et élection c'était pour 5 ans. Pas rien qui fatidique. Non mais élection c'était pour 5 ans. Il était élu pour 5 ans. Où est moyen s'il allait au-delà de 5 ans, ça quoi c'est là. Bon, si où est moyen pour élection faite dans pays ça. Ah mais mon cher, où est clair. Et tout autant élection pas qu'a faite. On voit que c'est opposant quoi qu'a permettre monsieur était parce que si élection pas qu'a faite. D'accord, ma cature. Fin de cycle, vous parlez, d'ailleurs, vous faites référence à Pluton.
et l'a caractérisé par qui ça et kidnapping n'a pas observé là et assassinat gan pile moun pa konnen gen d'ailleurs gen des prophéties gen moun bozoa qui même crier nan mikwa qui ouais c'est des moun des milliers de moun et des centaines de milliers de moun qui pral mourir même avoisiné autour de 1,800,000 etc. moun est-ce que c'est fin de cycle ça ça n'a pas observé là mon cher mais ça qui vient ça moun yo ouais moi wel longtemps ça peut être bien 10 15 ans de ça moi dit que on moun a konn Haïti pral changer. Le rigole de l'eau devant la carouan, c'est pas de l'eau, et vous voyez, c'est sang. Le ça, Haïti a changé. Car, selon Corinthiens chapitre 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Mm-hmm. Et presque tout selon la loi est sanctifié, purifié par le sang. Mm-hmm. Maintenant, en clair sous ça, dans ce contexte-là, nous tellement fait l'obéir en tant que nation, en tant que peuple, cela nous est arrivé. Mais il y a des mouns de tout temps, particulièrement capable dit moi-même qui a goumé pour ça. Pour qui ça? Il y a des monde qui goumé pour ça. Il y a des monde c'est pas yo pas souhaité. Pour ça yo pas souhaité. On prend par exemple le 17 octobre arrivé, yo dit eh n'a prend la rue 18 novembre yo prend la rue. Yo prend écraser toute bagarre paysan, pral gen goumé, toute bagarre. Mais on voit que on mystique avisé, la travail pour ça pas fait et la et dans timing là, joue sur timing là. Parce que la France gen pour parler pas avoir mal yo fait nous yo gè kama pa yo pour yo payer États-Unis gè kama pal pour yo payer est-ce que journée aujourd'hui hein, c'est haïtien qui en dans Haïti qui totalement responsable de ça qui a passé là et état nuire est-ce que haïtien pas victime d'un complot mondial venant principalement de ces deux nations hein et journée aujourd'hui hein, est-ce que seconde défense mystique que nous ka fait parce que défense du territoire sur le plan armement, sur le plan, on est capable de dire physique, nous pas capable, mais sur le plan mystique, je pense qu'il y a des gens avisés, éclairés comme moi, et tant d'autres personnes, qui sont capables de repousser une situation, hein, changer le timing, là, changer le deadline, là, et pousser sur les États-Unis. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Il devait y avoir, au niveau des élections des États-Unis qui sont passées là, une catastrophe éthiopienne. C'est-à-dire que qui mettait en guerre civile. Maintenant, est-ce qu'on parle que l'intelligence qui a géré et bayo, qui a géré le momentum? C'est-à-dire que yon font élection dans le résultat du temps que le bayon dure de tout temps. C'est pour calmer fait et tension population. Hein? Et puis, il y a des missiles qui a agi en conséquence. Maintenant, bon côté pas nous. Est-ce que ça nous t'est évité 17 octobre et 18 novembre? Et est-ce que nous pouvons quitter? Monsieur Mystique Américain, hein, les School and Bonds et Monsieur Illuminati, voyez-le sous nous en Haïti. Non. Nous croyons que, faut que nous goûmer et défendre que sans ça, il n'y pas couler d'abord la caille. C'est-à-dire, si nous couler. Nous empêcher le couler. Si le couler d'abord. Mais qui ça peut faire pour empêcher le couler? Mais des rituels secrets, des rituels qui ont fait. Que moi m'oblige à gérer, m'a gérer à étudiant, m'a gérer dans des messages pour me dire mon mode de comportement que doit épouser et conseil collectif là, il y a un impact que le ka gagne sur toute nation. À partir du moment gon quantité de monde X qui mettait yo à faire une pratique bien déterminée et alimenter yo force yo énergie, le ça nation en général capable de bénéficier à partir de ces gens avisés. Maintenant, mais pas seulement rituel, la prière capable de mais la rituel son prière, la prière son rituel. Maintenant, quand une prière est dite, ou dit prière là, à un intervalle de temps régulier, ou prier chaque midi, tu crées une énergie. C'est-à-dire, ça devient divine égrégore. C'est un rituel. On rite, il répète à un rite. Dans le bon rite, il y a rituel. Maintenant, si ou répétez prière là, à une date bien définie et à un moment bien défini, non contexte bien défini, c'est un rituel. Hein? Si il y a d'autres bagages accompagnés pour fortifier, c'est un rituel. Maintenant, nous parlons en connaissance de cause, la magie est une science, pas que moun n'a pas voulu monter, jamais moun n'a fait et a fait son nom. Il faut dire que actuellement, dans des moun n'a pas boule son nom, dans Facebook, m'a géré dossier ça. On moun n'a pas vite joindre moi. Sous. Non, ça c'est faux compte. Un bon faux compte, nèg yo créé. Mais nèg yo fait quoi? Yo veut un reçu, moun nan voye $500 américain bay moun nan. Parce que le besoin pour le wallet. Maintenant, gen plan pour finir ça. Moun sa mbèl vin sou yo.
OK? On va prendre son exemple. Non, pose. On va un point sur nèg. Non, mais dis-moi quand tu prends photo, des photos me favor nèg metel, nèg metel toute bagaille et puis il y a dit m'a bail boule. On va gérer dossier ça boule, gè sacrifice là dedans. Elle dit que prend $100 dans mon monde pour mon boule ça ça. C'est parce que mon sort tout qui fait le voyage comme là. On va jouer comme on va jouer. Est-ce que moi j'ai joué pour $100? On pas besoin maoul. C'est-à-dire que si nous sommes, y a mangé comme nous, pas emmerdé pour moi-même. OK? Parce que moi-même, moi clair et mon direct, ça m'a fait. Bonjour, et Makatur, et je ne vais pas comprendre toute prophétie négative pour Haïti. Pourquoi ça ne pas des prophéties positives? Moi, la majorité prophétie est plus négative dans Haïti. Parce que tout le monde, c'est mon qui va mourir. C'est ça qui va couler. C'est dans la misère et la souffrance que Dieu avertit ceux qu'il aime, a dit la Bible. Et c'est-à-dire que côté trésor là, c'est la bataille là à fait. Parce que tout le monde connaît gros bagage qu'il a. Maintenant, à partir de ça, c'est tout à fait normal que Haïti a subi un ensemble de bagages parce que Kafou monde là c'est l'allié, capital spirituel monde là c'est l'allié et à partir de là, tout Dieu braqué, Dieu Lucifer sur Haïti, Dieu bon Dieu sur Haïti. Bon, et Jean Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37 jusqu'à 40, il dit que ils mettaient leur seuil près de mon seuil et leur poteau près. Et il y avait entre moi et eux qu'une muraille de séparation. C'est-à-dire que et, côté bon Dieu, y est, c'est là Lucifer vli. Côté Lucifer, y est bon Dieu obligé là. Bon, c'est exactement l'image de l'église catholique Baouan, montrant Archange Saint-Michel avec épée qui a piqué le diable, c'est-à-dire le diable a sauté en bas, lui-même l'a sauté en haut. C'est pour montrer l'équilibre qui doit exister entre le haut et le bas. OK? Que Kabbaliste a expliqué un principe qui dit à partir de minuit, mais qui s'est passé dans le monde là, et jusqu'à 3h du matin, mais qui s'est privé. Maintenant, et nous clés sur ça, c'est que Haïti réellement caché des forces et des trésors et des mines que le monde entier a besoin. En termes de quantité de l'or, ou presque régional, sous ta broncaille, quel que soit caille ou caille en balle, il est possible pour jouer l'or en balle. C'est-à-dire que l'or, ça, c'est de l'or pur hein, que nous gagnons dans le pays hein, et qui doit servir à la reconstruction et à la construction du troisième temple. Maintenant, or, ça, de tout temps, l'histoire de l'humanité, si on le suit, les écrits de Zacharia Sitchin, on prend avec les tablettes sumériennes et dans leur interprétation que ils ont découvert dans le début du XXe siècle. Ou après, M. Palo, pour dire que ces Anunnaki, hein, à partir de aussi l'épopée de Gilgamesh, hein, ces Anunnaki qui convenaient sous terre à partir de la planète Nibiru, en bien, ces reptiliens, ils n'ont pas convenu faire l'autre bagaille, mettre l'homme en esclavage pour cultiver l'or. Et à partir du moment que yo capable récupérer l'or là, eh bien Nibiru vient en planète vaisseau. Qui ça va faire avec l'or? Est un métal solaire. C'est-à-dire que l'or là, c'est un métal immortel et éternel. Pas de possibilité en quelle recherche qu'on a fait qu'on voit que l'or là, même soit la molécule, la particule qui puis bio, que c'est un bagage qui a une finalité. Non, eh bien la durabilité l'or là, son substance tellement précieuse, son métal tellement précieux, ou après que l'argent, il n'y a pas aujourd'hui à Fogoumé, c'est valeur, l'or que oui. Ça veut dire que l'or prend fait papier, ça veut dire les monnaies filles du ciel, que vous avez goûté pour lire, il n'y a pas rien le cas dans la rue. Tandis que, combien de fois ouais, l'or est stocké dans le banque, et l'ingot d'or, que vous évaluez l'argent en valeur d'or, c'est valeur d'or l'argent dans sa réalité. Matériel a une valeur d'or liée. De tout le monde qui réellement de vrais capitalistes et impérialistes, ils ont stocké quoi sous valeur là. Parce que on connaît que quand vous avez un capitaine, tout ce qui est un capitaine, une valeur là demeure. Ils sortent en 7 jours, ces reptiliens là, qui ont besoin de ce métal que Salomon a utilisé pour construire l'âge de l'Alliance en résonance avec le soleil, et mettre toute énergie en branle sur la terre. Maintenant, et à partir de là, nèg yo pral pran l'or, y a mete li nan on dimension côté que normalement des particules et m'da capable di et moléculaire et puis
yo infiltré autour de terre là. Maintenant, terre là pral vin ce qu'on appelle une planète vaisseau, comme Nibiru. Et c'est alors seulement qu'a fait planète Terre, tous nos planètes vaisseau. Quelle Terre va devenir une planète vaisseau? Qu'est-ce qui va être profitable à ces milliardaires ou ces millionnaires? C'est que yo prévoit scientifiquement que le soleil va détruire notre planète Terre à partir de ses rayonnements. Hein? Eh bien, Terre, c'est le cas déplacé. La fait même Janibiou. La quitté le système. Là. La prale tout côté dans l'univers. Maintenant, qu'on y a là avec l'or, Negio a prale gérer exactement okay? le noyau de notre planète qui sont constitués en métal en fusion. Et avec même l'or qui a insufflé autour de tout champ électromagnétique terrestre. Terre prale vin en planète vaisseau. C'est-à-dire qu'on conscience j'en ai gagné à partir de l'intelligence artificielle qui pral et téléguider Terre là et déplacer à moment voulu, c'est-à-dire il pas dans champ côté que lié dans champ de gravitation autour de soleil. Oui, mais entre-temps, il est déplacé aller tout côté, ça c'est solution finale si on pas joindre une planète qui semblable à Terre pour courir vers lui-même à partir de destruction de chaleur solaire là. À monter là et si vous n'avez pas géré, et faire de ciel et couche d'ozone, réchauffement climatique. Entre temps, Terre là, li plate ou onde? La Terre onde. Li onde. D'accord, pour répéter Galilée. Bon, on a retourné sur aspect ça, besoin qu'on est kabbalistiquement, ça qui passe dans le monde là de minuit à 3 heures. Même détail non? Bon, et pratiquement, minuit à 3 heures, pour les kabbalistes, c'est un gros secret. À partir de minuit, pas oublier que notre tradition là, ou une tradition il est mettre minuit. Et tradition ça c'est on kabbaliste seulement car on ça veut dire. Bien, non, et, on va pas partager ce que ça. Non, moi même pas grand, même pas partager, je viens prêcher mystique. Okay. Je suis comme Gagliostro, Joseph Balsamo. Je prêche l'ésotérisme, le mysticisme. C'est-à-dire tout ce qui est caché ma culture cadil parce que nous sommes à l'ère du Verseau. OK? M'pagan ken bagay m'balvin. Non. M'a pas on dire les anges à virer contre nous, à plalose. Non. M'a bien tiré réserve quand même. OK? Mais comme si question posée, m'a pas besoin faire mention de ça. Si m'a pas dit. Maintenant, c'est pour m'dou que. Mit question n'a pris li met minuit. Hein? Et qui fait que yo djou son nek de haute taille. Mais sou djou juif salabdoua, il parle de métatouan. Métatouan? C'est l'ange, on l'appelle le second de Dieu. Gagne un livre après mi, tatouan, gagne un livre après mi, tatouan. Bien, le second de Dieu, ce second de Dieu, c'est un être, un ange de haute taille. Apocalypse chapitre 21, parle de lui, il dit une mesure d'homme qui était celle de l'ange, 54 coudées. Il dit que de haute taille. Il n'a pas fait partie des Néphilim. Mette minuit, il n'a pas fait partie des Néphilim. Non. Bah, de Dieu géant, il n'a pas eu. Non, les géants, les géants existent, mais monsieur c'est un nègre et il fait partie de l'ordre des vieillards, des 24 vieillards. Il est le second de Dieu, immédiatement après celui. Mais c'est un humain, il aussi a rapporté. Non, vous cherchez que me défaites, c'est un humain qui bon, métamorphosé, qui vit métatron. On toujours dit que gagné ont correspondance. On lien en haut à en bas qui fait que tout ça qui passe en l'air, il y a une dimension en bas. C'est-à-dire qu'il y a une dimension humaine, il y a une dimension angélique, une dimension énergétique. Elles sont là. C'est-à-dire que dit que son humain lié tout court, ou pas dire rien. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est même genre, les mythes que nous vivons là, que parle de Jésus, de la Vierge Marie, c'était des mythes antiques, anciennes. Des mythes anciens. OK? Mythes ça yo, qui était antique et ancien yo, en bien parlé dans l'Égypte antique, en bien yo était d'ordre astrologique. Maintenant, ça qui arrive, en l'air, li dit, li ba un signal, ça de passe en bas. Maintenant, conscience naturelle, c'est l'homme. Maintenant, li pas carrété au niveau de astro seulement. Maintenant, ses principes énergétiques, yo doué incarné dans des corps physiques. Maintenant, c'est alors que l'ordre des enseignants, le préal créé, yon sacerdoce,
et à partir de sacerdoce ça pour dire que qui type de race ou bien qui groupe familial cap digne de recevoir cette énergie pure pour modifier le comportement hein, des hommes sur la terre. Mm-hmm. Maintenant, c'est alors que Paul nous a dit la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est tout un comportement épousé par une liée ou un ordre initiatique de observation des lois mettant en résonance le comportement de l'homme avec les lois de la nature, et à partir de là, les principes énergétiques cosmiques s'incarnent à travers et en dedans votre femme. Mm-hmm. Parce que votre femme là, même si tu vois dans la Bible, on te dit que Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui, si Dieu a réconcilié le monde avec lui, c'est que nos périodes étaient fâchées, étaient séparées. Maintenant, toute séparation Dieu avec Modelan, déconnexion, divinité, le principe transcendantal, avec Modelan, bon seul être qui crée connexion, il y aurait les femmes. Parce que faut que nous sommes dans l'air pour descendre dans votre lit. Et si y a descendre dans votre lit, il y a épousé spermatozoïde ou la guerre. Et puis pour principe vital, spirituel, descendre dans votre tout. Cette femme, c'est bête qui fait connexion entre ciel et terre de tout temps. Et c'est ça qui fait l'objet de persécution. Et c'est ça qui fait tout. C'est pas sans raison, même vaccin à bail pour Covid là. C'est le jour immaculé, le 8. Il y a la selle dans le monde là. Moun commence à prendre. Mm-hmm. Parce que immaculé, c'est immaculé la conception. Qui a fait petit. Pour qui ça a choisi, jour ça? Ah, cause pour le dis non. On a les bombes, dis-moi, détail. Cause pour le pour qui ça a choisi, jour immaculé? Il a choisi parce que c'est seul nous en Haïti qui n'a pas tenu compte des momentum, des temps favorables pour effectuer les grands travaux. Gelebe a sous besoin atterri et qui a un effet mystique sur tout le monde ou qui pour veiller des circonstances et des moments pour faire. Oui, parce que vous veillez la lune, il y a pleine lune, chaque bail est très significatif, très mystique. Mais c'est tout principe mystique. Ou à pouvoir un business ou tenir compte de qui l'a à pouvoir ou consulter un grand monde, grand coup macrature qui dit qui thématique business, pour qui ça, dans qui domaine on va investir, pour me chercher génie qui a rapport à business. Et puis pour me dire que, mais qui joue et date favorable dans l'année pour faire baptême ni. Mais les gars, ils ont été vaccinés, ils ont lancé programme maladie, j'aime le dire tout le temps, pour gouverner le monde. D'où la notion de coronavirus, avec ce mot couronne, qui répète dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, versets 1 à 2, corona textuellement, que Yodou, il partit en vainqueur pour vaincre. Corona doit vaincre tout bas dans le monde. Mm-hmm. C'est-à-dire, même gens, il y a eu World Trade Center, pour te faire que nous accepter que nous fouillons nous, dans toute époque, pendant l'homme rebelle, nous pas faire rebelle parce que c'est un événement qui marquait l'esprit. Eh bien, ou transformer société à partir des événements. On a créé cet événement-là, ou cette maladie, dans l'objectif de convaincre l'homme pour une modification sur le plan économique, social et politique. Mm-hmm. Maintenant, il y a génétique là tout. Mais il y a contrôle génétique là et d'un côté il y a contrôle et cetera. Mais et génétique là n'a pas abouti. Mm-hmm. Qui est très fort. Parce que génétique là, c'est tout une autre émission pour d'affaires. Parce que ça le cache derrière sur le plan génétique là. Eh bien, il y a un rapport avec même des néphilim. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Depuis 1996, moi j'ai des documents et des articles comme des qu'on écrit sur les reptiliens, la race du serpent. Maintenant, en tant que kabbaliste, moi j'ai puisé sous ça dans un texte biblique qui c'est Genèse chapitre 3, verset 15. Qui te dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, à savoir la lière du serpent, de la femme, et toi tu lui blesseras le talon, à savoir la lière du serpent. Mm-hmm. Maintenant, on nous dit là dans la Bible qu'il y a deux descendances, et deux lignées et deux postérités sur la terre. Il y a une descendance d'Ève, c'est-à-dire des enfants issus et des humains issus d'Ève, et il y a une descendance issue de la race du serpent. Maintenant, c'est tout ça que jusqu'à l'avènement du Christ qu'on va expliquer, de deux personnes qui seront sur un lit, l'une sera prise et l'autre blessée. C'est-à-dire que, quand on arrive,
par rapport avec ça arrivé et Jésus bail des symboles, il dit que gagne des semences que papa va planter que nèg vient planter. C'est-à-dire c'est lié serpent. C'est-à-dire des enfants issus de l'accouplement d'Ève et du serpent. Au bon Jean la cabale dit que serpent jeté un bout dans entrée Ève. Mm-hmm. Maintenant cette personnification et symbolique, yo ba nous sous et fait Abel et Caïn. Donc en clair ça veut dire que Abel et Caïn ne sont pas descendants de d'Adam. Non, il y a l'autre monde qui descend d'Adam, non, mais il y a l'autre monde qui sort de l'autre. Les âmes adamiques, mm-hmm, ce sont des âmes spirituellement élevées. Mm-hmm. Maintenant, il y a des âmes, non, avant Adam, il y avait d'autres âmes sur la terre, ok? Et ils ont classé, et même dans le Nouveau Testament, de l'homme animal. La Kabbale reconnaît et pratiquement que, et avant cette notion, ou le récit dont nous parle la Bible, il y avait d'autres hommes sur la terre parce que leur exil est mounio côté où tu joins l'autre monde. Mm-hmm. Et pour Caïn, tu joins Ada. Et puis pour faire Enoch et tant d'autres. Et l'autre monde avant. Mm-hmm. Maintenant, et nous connaissons que tu es mon avant. Maintenant, c'est à partir de yo que tu prends mon, tu modifies cellule. Et puis, tu viens par nous, un homme intelligent avec la connaissance. Ok? C'est-à-dire que tu es actuellement Homo sapiens sapiens. Sapiens sapiens. Ok? Maintenant, moi, je crois que, c'est assez important tout pour nous connaître, mm-hmm, que il y a des gens qui étaient dans le même stade, animal. Maintenant, bon, l'autre modification, c'est la race du serpent. La race du serpent, ces personnes-là, et ces liés-là, ce sont eux qui mènent la politique mondiale. La politique mondiale. Ça veut dire que il y a là-dedans qui bien choisi parmi les grands politiciens. Et ce sont eux qui dirigent le monde. Mm-hmm. Okay? Mais les reptiliens, ils sont les reptiliens. Mm-hmm. Mm-hmm. La race du serpent. Mm-hmm. Ok, aussi appelé les reptiliens. Et ça fait que des mounes, avant, on sait de mounes qu'on a écrit des livres, ils ont songé tout, dans les années 95-96, je m'en parlais, et bien il y aurait les mounes qui m'ont dit, David Icke est en avance, qui va être en 2000 ans, ou tu es en avance, parce que je les appelais la race du serpent. C'était connu par rapport avec un ensemble de révélations capable de dire et théurgique et kabbalistique que j'ai eu et avec livre ça que me met en bas tête, mais comme ça a toujours été le cas que mes parents peuvent en témoigner, mm-hmm, pour mes études primaires, mm-hmm, et mes études secondaires, mm-hmm, mettez des livres en bas tête, mais et contre toute ça que ma donne et jusqu'à présent ce dont je l'ai, mais moi mon qui partager donc ça c'est et Edgar Cayce. Mm-hmm. OK, d'accord. On rentre dans Immaculé hein, parce que nous avons un petit Jean écarté n'a pré cadré l'encore. Pour qui ça Macature? N'a que fait choix de date Immaculé. Mm-hmm. Bon, c'est parce alors, que alors non seulement fait choix de Immaculé et puis dis-nous dans Kabbalan, pas qu'on est mystique okay. Là, okay. ça le représenter okay. pour okay. nous, ça okay. l'inspirer nous. Mm-hmm. OK. Bon, c'est pas bof, c'est parce que pratiquement je viens de nous tout réciter verset. Et ces versets qui parlaient de « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, en ta descendance et sa descendance. Mm-hmm. » Ta descendance, okay. Il représente qui est-ce? La race sa descendance et sa descendance. La descendance de la femme. Ah, ok. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Maintenant, ce verset de l'Apocalypse, de la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Si vous avez besoin de comprendre exécution, accomplissement, il faut lire le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, immaculée. Mm-hmm. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Dans le verset 2, un autre signe parut encore dans le ciel, c'était un grand dragon. Mm-hmm. Le grand dragon, c'est le serpent ancien, nous dit ce même chapitre de l'Apocalypse. Non, mais et femme, ça, enveloppée du soleil, là, c'est la créatrice, c'est la mère divine. C'est lui? Maintenant. Parce que lui, il fait des bases. Chaque monde interprète le verset. Non. Mal met au propre. Mm-hmm. Parce que la science ésotérique, c'est une grande science. C'est pas pareil, monde fou et bouche. Maintenant, quand on dit femme, la nature est une femme. Mm-hmm. Quand on dit femme, la femme représentée sous trois plans. Son plan cosmique universel, par exemple, Dieu avait infligé à Ève cette peine, j'augmenterai les douleurs de ma grossesse. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre? Je fais ça, on approche exégétique en théologie.
une approche exégétique, juste une science. Là. Maintenant, malgré nos versets, pour voir comment interpréter et ces choses et quelle façon que nous avons fait correspondance. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, versets 20 à 22, Paul me dit que, or nous savons jusqu'à présent, toute la création souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Or, je déduis pas là que le sort de Ève a été le sort de toute la création. De toute la création. Maintenant, quand je dis Ève, je parle de la création. C'est-à-dire, je ne vois pas uniquement seulement une personne, une femme. Je vois la nature et la création en tant que matrice créatrice. Hein? Au-dedans de laquelle que nous tous trouvons, n'a respiré, en devant lui. Hein? Avec tout problème, nous, ça c'est ce qu'on appelle la douleur de l'enfantement. Hein? Et toute difficulté, nous. Maintenant, ça soit approche classique du mysticisme, de l'ésotérisme. Maintenant, c'est la loi de correspondance. Maintenant, mais comment le monde peut dire, oh, Ève, c'est ton femme seulement. Là, ou foutu. Mais Ève peut être aussi une femme. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'énergie créatrice universelle, à un certain temps, il n'est pas arrêté dans la dimension création s'il n'est pas incarné dans la femme qui résume, l'homme est le résumé de la création. Mm-hmm. Maintenant, puisque l'homme est la conscience qui résume cette création, maintenant, ce principe énergétique universel n'est pas incarné dans n'importe monde, mais ce principe va s'incarner dans une personne, une âme personnalisée, hein, qui incarne ce principe. C'est-à-dire, là, on peut dire que la Shekinah est là, la gloire divine est là, la création lui fait chair, c'est le verbe qui s'est fait chair. Est-ce que tu vois? Maintenant, là, on peut prendre la chose dans ces trois niveaux. Niveau création, énergie et entité. D'accord. Entité, c'est classique. C'est classique, ça. Est-ce que nous devons accepter vacciner? Parce que nous n'avons pas allé dans la droite, mais ça. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de cette question de vaccination. De cette femme enveloppée du soleil qui est immaculée. Maintenant, le but du conflit. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 3, 15 ans, c'était que postérité est goumé entre eux. Maintenant, goumé ça, les grandes origines kabbalistiques, c'est que est-ce que Ève a été la première femme d'Adam? Kabbalistiquement, non. C'est qu'il y avait Lilith et Naïma. Maintenant, ces deux femmes-là remplissent un rôle et assez intéressant dans le fonctionnement de notre société. Alors Naïma, Lilith, c'était Madame Naïma, oui. Madame Adam. Mais et Lilith était avant ou bien Naïma vient après? Avant, après Naïma. Et puis, mais c'est de être de spirituel quand même, de démons d'après Samuel. Ce sont des démons. Oui, des démons. Bon, yo démons parce que yo réclament mon bagage. Par exemple, Lilith a dit que il faut distinguer la création de la Genèse au chapitre 6, au chapitre 1. Et la création de la Genèse au chapitre 2. C'est deux créations. OK? Maintenant, au chapitre 2, on a parlé de Biaboram, la génération des cieux, qui gagnait nom Abraham, la donne. C'est-à-dire, la Kabbale tient compte de ça. C'est-à-dire que pour dire qu'il est le père des nations. OK? Parce que kabbalistiquement, c'est le mot utilisé dans le livre de la Genèse au chapitre 2, et en hébreu, Biaboram. Maintenant, la génération des cieux. Et de la terre. Maintenant, on voit que il a créé l'homme avec femme dans le chapitre 1, ensemble, et surtout au niveau du chapitre 1, verset 26. Dieu créa l'homme et la femme. OK? Mâle et femelle. Maintenant, et le Adam a monté souvent. Lilith dit non, ou pas monter souvent. Ils sont montés souvent dans son manque de supériorité. Et que Lilith dit non, on ne peut pas monter souvent, mais parce que nous avons été créés ensemble, ok, nous sommes égales, ok, égales. Et c'est ça l'égalité actuellement que mesdames et féministes ont réclamé. C'est un esprit qui est orienté, venu de Lilith, ok, cette égalité. Et puis et Adam dit non, mais Lilith dit non, c'est pas possible. Nous créons en même temps, et réellement, ils ont été créés en même temps. Maintenant, après conflit ça, Lilith refusait catégoriquement. Elle a laissé tomber pour rejoindre Samaël. Samaël,
qui est Satan, et l'énergie de Lilith, en quelque sorte convertie, est-ce que vous comprenez, libère le diable. Il y a une distinction entre le diable et Satan. Il y a un principe masculin et un principe féminin. Et s'il le faut dans la théorie correspondance pour te dire la vérité, c'est que ces deux courants énergétiques actuellement connus et scientifiquement sur électricité et magnétisme. Parce que manipulation qu'il a fait de l'énergie terrestre, électromagnétique, là, que M. Reptilien a fait, c'est l'énergie manipulée et contrôlée par ces deux entités appelées le diable et Satan. Et cette énergie où la ligne verte dont parle le livre Séphérié dira, qui au-dessus des tiers-là, qui représente le serpent, qui monte et qui floppe tiers-là, et c'est deux courants de force électromagnétique. Et à partir du contrôle de ces deux forces, on peut bloquer même les effets du soleil. Et cette femme enveloppée du soleil qui représente à un plus haut niveau sur l'échelle planétaire, qui est la planète, ou la femme de Kounia Salvinia, c'est la Terre. C'est la Terre qui doit épouser l'énergie du soleil. C'est ce que ce type a parlé, Alexandre Moriasson, dans son livre « La lumière sur le royaume », à savoir Tiferet et Malkout. La Terre représente la Malkout, c'est la Malkout, et Tiferet, c'est le soleil. La lumière, ok, sur le royaume. Le royaume, c'est la Terre. Maintenant, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'alliance entre le soleil et la Terre, et cette alliance-là va transformer notre planète en un véritable boule de cristal. Et les eaux de la mer vont changer de couleur et ils vont devenir transparents et non pas cette couleur bleue. Maintenant, les êtres vivants dans la mer, épousés de toutes particules solaires, prennent des êtres vitales à un niveau de vie. Qui les baisse à privé? C'est en train de se passer actuellement. C'est pourquoi tout ce conflit. Parce que l'origine de tous ces conflits-là, c'est quoi? C'est que au niveau de notre planète Terre, il y avait des substances nocives, telles que le pétrole et tant d'autres substances, qui empêchaient à la Terre de se cristalliser. Hein? Ces substances-là, on nous a incité pour nous prélever de la Terre, hein? D'un désir nous et ambition nous, n'a retiré de la Terre, mais en même temps, n'a fait en sorte d'épuration. Maintenant, la Terre prévient nos dimensions légères, comme je le fais dans mes expériences en magnétisme avec mes étudiants, que me poster plusieurs fois, pour montrer comment le matérialiser en bagaille, et puis les réduire en proie, les viennent plus légers. Sur la Terre est en train de la transformer sous l'effet du soleil. Maintenant, les reptiliens ne veulent pas, ok, cette transformation ou cette rédemption. Puisqu'ils ne veulent pas cette rédemption, ils ont leur plan. Leur plan, c'est quoi? C'est de canaliser cette énergie autrement. Mais c'est de réduire la population mondiale. Oui, Dieu, on vient après. D'abord, ils gèrent sur la notion de perception. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Soleil, là, ils vont réellement le émettre là. Si la Terre bien recevoir, les fils de Adam prennent ouais. Pour reptilien, sous où? Si par exemple, vous êtes reptilien, soleil a des perceptions modifiées. Et ces perceptions-là, c'est scientifique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 80, le physicien allemand Schumann a fait une découverte sur le rythme du battement du cœur de la planète Terre avec ce qu'on appelle la résonance de Schumann. C'est tout le monde qui a entendu là, qui a fait recherche. Tapez sur Internet la résonance de Schumann. Maintenant, qu'est-ce qui ça, monsieur, découvre? Que Terre-là a un rythme, une fréquence vibratoire qui est de 7,8 Hz. OK? Eh bien, il y a là, regardez, il y a contrôle les bagages, il y a ouais, que dans l'énergie de basse fréquence, nous, le cerveau, nous, tout humain, à l'époque, fonctionnait dans le même rythme qui correspond à la Terre. Passé les années 80, il y a un basculement, un chambardement. Hein? Une précipitation de modification de cette énergie, de cette fréquence énergétique, qui pourrait le faire que, et n'a pompé, nous monte à 8, à 9, à 10. Maintenant, qu'est-ce que ça produit chez l'homme sur le plan temporel? Nous avons comme l'impression que le temps passe plus vite.
Tu vois, cette modification qu'il commence à opérer. Maintenant, ce changement qui s'effectue, il y a une perception de l'image que nous avons. Maintenant, qu'on y a là, le soleil est arrivé, maintenant il arrive 13 ans, eh bien, c'est le point zéro. C'est le point zéro. Qu'on y a là, arrivé à ce point, conscience, tout le monde sous terre a modifié. Yeux, tout le monde a ouvert. Maintenant, on est capable de garder là. On n'a pas reptilien, on n'a pas identifié. Mais Paul a dit ça, on proteste de connaître. Maintenant, nous nous connaissons de manière obscure, a dit Paul. Que ce qui est partiel disparaîtra, ce qui est parfait apparaîtra. D'accord. Et c'est alors que nous avons nous, nous, j'aime de connaître. Fonti campé, Makatou. Pas que quelqu'un a été caché qui peut dévoiler à 10 moments. Fonti campé, n'a pas campé. Non, 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 c'est reptilien, couché côté, m'a pas campé. D'accord, n'a pas retourné sur ce ça. En tout temps, n'a pas pour. On va suivre Blocus, votre émission de prédilection. Votre émission imbattable, est diffusée du lundi au vendredi, de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui, on a rappelé où c'est le franc-maçon et kabbaliste Makatou Drouillard. Nous pourrons l'observer première pause commerciale, là, mais toutefois au retour après la pause, nous pourrons regarder les relations qui ont toutes ces nappes là avec le coronavirus et la vaccination. Nous allons regarder tout pourquoi et Haïti dans la tourmente que il y a. Nous allons regarder ouais question ça. Haïti terre mystique c'est ça on dit. Haïti bah qu'on est terre condamnée c'est Makatou Paldim. Terre maudite, terre du diable, terre de l'éternel des armées. Eh bien, on a besoin d'une réponse à ensemble de questions ça et au retour après la pause. Vous avez fait un excellent choix c'est l'heure de la pause pub. Je vous aime très fort, très très fort. On a retourné tout à l'heure. Lola, parle pas de chimère là, elle a sévié. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas pour suivre votre émission de formation, d'information et d'éducation Blocus. Eh bien, n'a pas salué comme à l'accoutumée nos amis, nos frères et sœurs et amis et qui vivent dans la diaspora. Nous avons pile l'amour pour eux-mêmes. Parce que vous êtes tellement attaché ensemble avec moi, c'est de temps en temps, en pile dans un misaïo, à saluer, m'a dit que vous avez remé Blocus, mais j'en remé Blocus sans, c'est comme ça que vous remé tout. Eh bien, n'a pas appelé à peine branché, invitez-nous jeudi, c'est le franc-maçon et kabbaliste et Makatou Drouillard. N'a pas continué à débat Makatou, où tu as parlé de. Pas qu'on est, il y a quand même présenté des images. Des reptiliens, moi en Russie, j'ai présenté, regardé des documentaires où quand j'ai des reptiliens qui bon côté gros pouvoir, par contre on est en maison blanche, c'est vrai. Bah ça yo. Le même jamoun, par contre. Oui, comment on identifie un reptilien? Bon, et pratiquement il y a toute une série de indices. Et avant nous venir sur question approche ufologique yo, parce que là on va parler de approche extraterrestre. Yo. Et n'a pas hérité nos dimensions kabbalistiques et que gagné sous plan comportemental de conscience et ont ensemble de principes on est capable de spirituel que reptilien pas qu'a gagné que le pas gagné grande dimension d'état d'âme que le pas gagné elles sont là et c'est toute nuance ça qui existait sous plan kabbalistique elles sont bonnes et nous t'a parlé de et race d'Adam les âmes adamiques et puis nous avons parlé de âme qui est issue de entité ça ou bien en même temps yo parlé souvent de goyim yo c'est-à-dire que qui pas des âmes adamiques et c'est des moun comme ça des moun qui ont forme moun mais yo pas gain dimension âme adamique là on dit que c'est ça c'est approche kabbalistique là maintenant et nan question reptilien on parler il y a plusieurs indices yeux moun nan ka permettre que ouel comprendre parce que les yeux il y a des indices qui ka permettre ouel et il y a des comportements par rapport à langue nan qui toujours filé comme un reptile il y a des gestes mais c'est pas tout moun nou avec filé langue bon goût dit c'est reptilien oui donc faut veiller comprendre mais gon paquet l'autre et bagaille qui ca permettre que ou identifier yon âme reptilienne minuit à 3h ou t'es passé sur sujet ça m'obligé retourner à voli avec lui encore ou pas de bande détail non seulement t'es parlé de métatron mais oui, minuit même par contre ça ca passé mais minuit à 3h c'est que ça il est en cabale dans le souffle impur il y aurait le yeter ara
c'est le mot en hébreu. Le Yetzirahara, qui est le souffle impur, à partir de minuit, il dit que les Kabbalistes n'ont pas besoin de quitter minuit pour prendre l'abdomen. Ou après que les Kabbalistes ont visé, le minuit pour l'entrée, ils ont prié. Parce que ils connaissent que le souffle impur est blagué dans la potentialité, dans toute dimension. Ça aurait été Satan, au destin des gars, Satan, il l'a blagué à minuit. Le mais lagué, ça l'a fait comme ça. Mais ça l'a fait. Mm-hmm. C'est bien que mission. Satan, selon même approche kabbalistique, c'est lui-même qui est à l'origine de la création de la matière et de la chair. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi, dans le livre du Zohar, la fin de toute chair. C'est un nom que bah, la fin de toute chair. Si par exemple, on lit le livre la Bible dans Genèse chapitre, à partir de chapitre 6, et le bras de l'illusion, d'où la fin de toute chair est proche. La fin de toute chair, c'est Satan, parce que c'est lui-même qui gagne contrôle matière. Le corps physique que nous gagnons, Jean-Paul dit, relation ça me gagne à diable à partir de mon corps. C'est pour ça que je t'ai demandé quoi Moïse, parce que le corps physique appartient à Satan. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, c'est lui qui permet de croissance, si nous avons grandi, c'est le péché qui tapit à la porte. C'est-à-dire que lit le psaume 51, il dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Et puis, par approche exégétique, il est capable de parler de Genèse, chapitre 3, quand il dit que et avec Caïn, péché a couché dans la porte ou dominé sous lui. Et la porte, c'est ma botte femme. Mm-hmm. C'est coco femme dans la porte. Nan. OK? Mm-hmm. D'où il dit que si vous n'avez que dans votre maman, il est dans le lieu saint, le saint des saints. Votre femme, c'est le saint des saints. C'est-à-dire que si vous n'avez le bras sorti, ok, et Satan ou l'ange impur, le Yetzer Hara, le souffle impur, automatiquement, tête si vous n'avez sorti, que ce soit par césarienne ou dans votre maman, l'enveloppez. L'enveloppez. Et il peut permettre d'évoluer dans le monde. Ça. Et la croissance physique, li, tout peut dépendre de lui. Vigueur même que le corps physique dépend de lui. C'est-à-dire que dans ce sens, l'évolution du corps physique appartient à lui. OK? Et c'est-à-dire on l'appelle la fin de toute chair. Maintenant, l'heure dit la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. On prend non bagalan, kabbalan dans le livre du Zohar, ou après qu'ils ont interprété le de ce genre. Maintenant, souffle impur, ça, il passe chaque minuit. Jean-Ouen, l'Ichita, le enfant m'a fait petit, il paraît devant. OK? Et il y a une relation, ça. Et une relation, ça, il construit son principe que espace, ça, il y a une période mensuelle. Et c'est à partir de période mensuelle dans le café conception. Mm-hmm. C'est à partir de le monde formé, femme non formée, hein? Il y a un sang sous lit, il est capable de vivre enceinte. Maintenant, ça, c'est couleur rouge, là. C'est dimension master ou le din, c'est-à-dire c'est là que tout esprit impur est sorti. OK? Au niveau de Geboura, la planète Mars. Maintenant, tout esprit impur ou ces reptiliens qui habitent jusqu'à présent cette planète, eh bien, ils ont un contrôle direct sur femme, plus particulièrement la femme dans le rugby. Et c'est pourquoi ils ont interdit qu'on couche à la femme dans la période de mensualité. Parce que, dès lors, entité ça qui tombait dans l'abîme, non? Yo gon seul gens que yo ka respirer énergie divine à partir de masse qu'il y a couleur rouge là, ou le principe vital c'est lorsqu'on femme gen règle nous là femme gen règle toute entité présente li sous cabane là gwa la gwa tande là parce que c'est là pendant yo perdu souvenir divinité hein, en sortant yo de Geboura la planète rouge yo tombé dans les régions inférieures. Maintenant, femme qui habitait sous terre, qui gagne pied sous terre, permettent que gon relation que yo capable par vibration capter de lui. Maintenant, et pour sa Bible en tout, la période ça pas approché fille parce que toutes ces entités là yo projeté sous lui et fille vinn bagaille vital. Mm-hmm. D'où vraie nourriture reptilien yo boisson, menstruation femme. Dans la cérémonie ou quand elle est au grand tête, m'a pas cité non yo. Kaboué sans période vendant sans menstruation. Et lui permettre que vive longtemps.
li permet yo grand moun yo vieilli yo rêvé non l'âge gros paquet de secret dans ça. Maintenant le yeti ara qui était devant bobot femme dans le petit monde en fait non li passe chaque minuit dans quel objectif, c'est-à-dire que c'est seul principe qui a déterminé qui ça la mettait pour comme programme dans corps physique là. Maintenant par rapport à comportement, c'est dans nuit yo décidé qui maladie a ba ou soit fait cancer, soit fait tension, soit forcé de bagage, même si il y a des bagages héréditaires. OK, nous pas nier yo, mais yo décidé à qui moment par rapport à comportement, parce que comportement héréditaire tout. Soit épouser en conduite grand-parent te gain, Jean Bible dit papa maman manger raisin et dans petit yo pourri. C'est-à-dire là ça aurait le phénomène de résonance que scientifiquement monsieur a essayé de comprendre avec et Rupert Sheldrake et Thomas Burden, la résonance des formes, lui permettre que vous compreniez et expérience en fait, non lié familial et parental, ou gain possibilité, sa maman te vive là, petit la revive, même bagarre presque dans l'autre vie. Mais est-ce que ça veut dire de minuit à 3 heures, oui, mais pas ta douille, dans la rue? Maintenant, pas de sortir, de sous la caille, ou pas de sortir. Mais que quel que soit côté, depuis le fait, le ça. Minuit à 3 heures, humain qui j'ai le calé, il y a plus d'avantages que humain qui abdomine. Pour qui ça? Parce que humain qui abdomine, moment sommeil, son moment, en même temps, pour régénérer le corps physique, sommeil, il constitue une sorte de matrice à travers l'énergie, etc., que vous libérez chaque minuit. Le libérer souffle impur, qu'on a un rapport avec ce que fait dans le jour passé, il enveloppe le corps physique pour mettre des données qui sont avec. Maintenant, si vous épousez des prières de pardon, c'est-à-dire que même si Jean somme 19 jours, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit, c'est que jour passé, c'est lui qui instruit jour qui va venir. C'est-à-dire que jour qui va venir, pas au hasard, mon ordinaire qui va vivre là, ou profane, pensez que. S'il faut accident, soit accident, j'appelle pas les accidents, accident. Pas qu'on mystique qui est l'accident. Non, moment bas mon camion plongé sous moi, yo met ton en position parce que, ou qu'on somme de comportement et de conduite qui dit que jugement doit prononcer là sous. Oh, c'est ça qui fait comportement moun, c'est déterminant. C'est ça, on mystique, t'as dû prêcher. C'est ça, pasteur, t'as dû faire nous comprendre. Pour qui ça, ou dit, pas fait ça, pas fait ça. Maintenant, c'est explication ça que la Kabbale offre et que moi, en tant que Kabbaliste haïtien avisé, m'a essayé de faire nous comprendre. D'accord. Maintenant, en ce sens, le souffle impur est sorti. Eh bien, si vous avez un indice de maladie qui va le développer par rapport au bagage, c'est le salope couvril. Maintenant, quand il y a là, le lit sorti, il y a une tendance accusatrice, c'est-à-dire accuser tout le monde parce que tous ont péché, comme a dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, c'est pour ça, et c'est confession, la repentance, toujours à demander pardon, toujours à dire, ou pas la bon Dieu, quand on papa ou gagne, hein, ou te font péché, ou voulez tourner la kaili, ça aurait le tchouba, te tchouba, en hébreu, que juif l'en connaît, un retour vers Dieu. Maintenant, il faut toujours un retour, il faut toujours une réparation des fautes. Ce qu'on appelle en hébreu le tikkun, tikkuner, je pense que c'est important. D'accord. La réparation des fautes. Maintenant, le souffle a sorti. Maintenant, Kounia là, il est prêt pour exploser maintenant. Il sorti à un air orange. Qu'est-ce qui se passe? On a ordonné au second de Dieu, qui est Métatron, de descendre, de monter lui-même pour exploser maintenant. On a ordonné à Métatron et aussi la Shekina. C'est-à-dire, femme qui est immaculée, enveloppée de soleil, il a libéré Shekina. On a deux principes, ça y est, ils descendent. Mettre minuit et ça qui est le mettre minuit. Ok? Parce que chaque minuit, mais autant, monsieur descend. Et il matérialise nos prosouterrains pour bloquer force. Ténèbres. Eh? C'est immense ça que bon dans l'église catholique, pendant que Drago a baissé monter, et puis Michael a bloqué la IP. Et ça, tu vois. Mais c'est sous pas qu'on immense ça, non l'église, ou pas qu'à concentrer sur l'idée principale. Or, ça pour faire que, ou jouer un effet bénéfique et énergétique spirituel, là, il faut que, ou qu'il y ait connaissance, c'est pourquoi Jésus il dit dans la Bible, cherchez à connaître la vérité, et la vérité vous rendra libre. D'accord. Et la capture. C'est ça.
Et m'a regardé à travers les réseaux sociaux, il y a deux idées qui ont troqué cogno sur le coronavirus et puis vaccination. Nous avons des spécialistes qui disent halte là, attention, malheur au monde dans le monde là et qui est arrivé à accepter le vaccin ça. Mais entre temps, nous avons des compagnies aériennes, ouais, et dans tout le monde là qui pourraient exiger dans le jour qui vient là pour partir, il y a des documents pour gagner, pour prouver, et il y a exigé que vous vaccinez. Et il y a des gens qui disent eux-mêmes, jusqu'à la mort, ils ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils ont une bonne bagaille qui est cachée là-dedans. Est-ce qu'il y a des bagailles secrètes, des bagailles mystiques, des bagailles cabalistiques, des bagailles qui sont liées avec le changement à parler, la transformation du monde dans le parler qui la donne, que peut-être nous ne connaissons pas, mais nous ne pouvons pas trop élaborer nos magasins. On allait. Bon, et pour me dire avant, c'est que nous avons parlé tout à l'heure de la chair. La chair. Et une capacité, monsieur, et c'est le serpent, c'est une manipulation génétique du génome humain. Et quelle est la structure du génome humain? La structure du génome humain, comme les découvertes n'ont été faites par Watson et Crick dans les années 58, c'est un double hélice. ADN, DNA. Et ça, le génome, non? C'est un double hélice en spirale qui va exactement, ça va le caducé de la médecine. Or, si c'est bon, ça, c'était c'est bon la médecine, c'est-à-dire l'objectif final de la médecine, c'était effectuer un travail sur le génome. Et arriver à modifier le génome. Maintenant, quand tu sais où il y a deux ailes, c'est-à-dire son élévation, son transformation, deux ailes, vous l'avez dit, en une dimension supérieure. Maintenant, et, le message était clair, Claude, à travers les symboles. Ces symboles sont là depuis longtemps, depuis l'Antiquité, le cas du CDMS. Et que la médecine, que mon nom dit le protestant, et puis il dit que, malin diable, malin serpent, il dit, bon, moi, Badjou, l'oral est Badjou, c'est protestant, son serpent qui comme symbole qui est Badjou. Il dit que, c'est pour vous expliquer que c'est la modification génétique qui a été le plan. Pourquoi ça doit concerner la modification génétique? La cabale dit que la promesse que le serpent nous avait fait, c'est de pérenniser la matière. Cette matière, qui c'est sa propriété, qui appartenu à lui-même. Maintenant, il te dit que nous pas mourir. Oh, cette promesse de mort, c'était pas une promesse d'immortalité spirituelle que Satan nous avait fait. Mm-hmm. C'était une promesse de d'immortalité matérielle que l'Église catholique dit dans le credo, qui représentait quoi ses pas. Lorsqu'elle dit nous croyons dans l'immortalité de la chair. Alors, l'Église catholique dit que cher l'immortel. Or, tandis que Corinthiens chapitre 15, dans le chapitre ça, il dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Hein? C'est que l'Église catholique adhérait à un mouvement de recherche scientifique mm-hmm. tel que Mark Zuckerberg a fait et Facebook. Mm-hmm. Monsieur a fait sport chaque matin et il dit à partir de 2030, dès que le monde là, ou a moyen en main, il y a possibilité pour vivre 1000 ans. Parce que Nagui a fait des recherches en génie génétique et qui basé sur en même temps numérique, nanotechnologie. C'est-à-dire que arriver à partir des puces électroniques, rentrer et pénétrer le génome, non, rentrer dans le noyau cellulaire, à faire des opérations, qu'est-ce qu'on a constaté? Chaque bail maladie, c'est souvent et noyau cellulaire qui atténue, qui bon cancer et autres maladies qui plus graves. Aussi, bon capacité. Pour créer des petits robots, c'est-à-dire à une échelle nanométrique, c'est-à-dire que qu'on pas qu'à ouais azio plus bas que micro, hein, ça veut dire que eh bien opération robot cérébral fait dans cellule directement à permettre que ou réparer cellule là. Mm-hmm. Oh, c'est tout ça qui a fait comme recherche et modification cellulaire là, c'est lui qui intéressait Nego et c'est ça Nego besoin vini. D'accord. Maintenant modification cellulaire ça. Maintenant, il faut conduire à des crises pour mener à des situations. Un, il y a une maladie qui est le coronavirus. Corona lui-même, même virus ça, que les gens qui ont été boulis, ils ont fait, ils ont créé dans le laboratoire. C'est un virus qui adapte à la technologie avec numérique, c'est-à-dire 5G. Maintenant, je l'avais déjà dit, quand je vois en tant qu'haïtien, il y a des spécialistes qui viennent à dire longtemps, mais nous supplions,
Anna Ramad Show, Ramad Show, R-A-M-A-D, Show S-H-O-W, al gade nan ki période moi te traité des sujets pour qui ça haïtien pas de peur coronavirus et un autre sujet sur coronavirus comme t'es dit clairement que coronavirus ça y a mené nous là dans situation hein? Et son maladie qui gon épreuve de 10 ans finalité en c'est arrivé à vaccin hein? Et vaccin en lui-même maladie ça yo la gueule pour équilibrer et comme on yo surtout grand moun yo avec 5G hein? Qui pas qu'à supporter vibration que 5G a et maintenant eh bien qu'on y a là vaccin pour le finaliser causé hein et mettre nous au diapason et on permettre que quel que soit côté nous à distance yo capable contrôler nous et c'est ça mondialisation hein? C'est ça nos systèmes économiques Jean Apocalypse déjà dit li ou pas qu'à ni acheter ni vendre si ou pas gain puce électronique ça nan quoi soit sous fond soit sous mer débat pour qui ça sous mer et pour qui ça sous fond sont l'autre dimension mystique d'accord. Ou ban nou réponse en 2 minutes Makature et question m'bra le poser là parce que dernier élément pas une bonne commencer recevoir appel yo parce que tout à l'heure nous gagne sœur Ménos Marie Martha Marcelin lui-même qui sont adventistes du 7e jour li gon gros révélation que li fait tout nous pas recevoir li mais en aller Haïti et terre mystique terre condamnée gen moun ki dit terre maudite gen moun ki dit c'était diable on comprend son bande diable ou bande esprit prend pays hein. Il y a mon qui dit depuis de tout nous ouais ça là bon Dieu remet pays ça en pile c'est pays bon Dieu li parce que gen bagay qui ta plus grave qui ta ka passer choisi un élément ça au qui réalité comment me répond nous c'est chaque soir poser moi comme question son émission dans émission qui ta gen pour nous développer non seul sujet non grande émission à pas pour chaque bagay ça Haïti terre sacré terre du diable terre de Dieu même m'a dit que Haïti c'est Bethel. Mais moi gagne par exemple sur aller sous Kabal Haïti K A B A L E Haïti H A I T I.com site côté que me gagne l'école là me fait courant. Ou après un symbole que me dit c'est terre d'Haïti avec lettre bet là en hébreu qui est la deuxième lettre de la langue hébraïque Aleph bet et c'est à partir de ces deux lettres que le mot alphabet Aleph bet alphabet formé. C'est tout contenu écriture, Aleph Bet, de la lettre Bet, et Bet, c'est de cette lettre que le mot Bethel, qui signifie la maison de Dieu, que tout pasteur, tout le monde qui est dans la Bible connaît, et que et Jacob, chapitre 28, le 17, ici, la maison de Dieu, la porte des cieux. Maintenant, Bet, là, la Kabbale dit, bon Dieu, il est toute lettre. Et puis c'est avec bête qui fait création parce que la création dans la Genèse commençait. Le mot Genèse en hébreu c'est Bereshit. Ok? Au commencement, Bereshit. C'est-à-dire que c'est avec la lettre bête qui fait création. Donc bête là, il voulait dire matrice. Mais Haïti, il fait la même forme à lettre. Ou après, point qui n'a mis en lettre, c'est l'île de la Gonave. Mettez une bonne contre l'autre. Maintenant, de là, Bible a parlé et gon livre en Kabbale yo rele le Sefer Yedira qui dit que et gen 7 lettres doubles gen 3 mères Aleph Mem Shin gen 7 doubles 12 simples les 22 lettres de l'alphabet hébraïque c'est tout principe kabbalistique là 7 doubles yo représente les 7 jours de la création les 7 planètes les 7 jours de la semaine ou correspondance yo rele ça loi de correspondance. Et ils représentaient 7 pays sous la terre. Où est 7 pays ça? C'est 7 terres sacrées. Mais si 7 lettres qui représentaient, on travaille moi faire en tant que kabbaliste avisé, moi prend lettre yo dans configuration yo, mal chercher des pays qui ont même type de configuration géophysique avec eux. L'homme prend tavlan, moi ouais, 7e lettre là qui est la lettre tav comme le double, c'est l'Égypte. Mettel brochel nos séminaires. Maintenant, le mot monté à dernière et septième, non? C'est la lettre bête. Qui est-ce qui semble avec? Haïti. Maintenant, c'est pour ça. Ça qui est passé en Égypte qui est dominé. Hein? Dernière domination à venir dans Haïti. Maintenant, tout kabbaliste regarde les bagages étrangers. Et des nègres qui avisent, ils disent waouh, ce type-là, monsieur, son merveille. C'est un travail comme fait en tant qu'haïtien kabbaliste. Mais pas content d'étudier science pour me mentir.
C'est pour ça au monde qui prend un nom sur Facebook ou a fait boule bolette. Makatudou a pas gagné objectif ça Makatudou hier objectif lui c'est montrer valeur pays. Valeur peuple ça. C'est quoi mon compte numéro de téléphone nous tout. Non, yo bouquet bali. Yo compte 6640690406907159. Yo pour un numéro fini par 36 et que m'gagne qui n'a même de CPJ tout. Et je m'en avec un nom Marinel Andouya cap recevoir cob hein non mais comme des faits. Nous comme des faits lui même gagne son transfert maison transfert voler calier. Parce que il y a des monde qui volé comme monde à l'étranger que fait complot. Pas d'un monde dit comme ça. Mais non, c'est pas un objet de recherche parce que vendre plus souple et il y a noir il pas noir quitter dossier. Il y a comme l'autre côté comme dans ça. D'accord, l'autre côté. Et c'est seul personne qui vient avec document et qui fait faux titre qui après quoi. Non, son problème qui a mérité corrigé. Eh ben voilà et ben nous allons commencer à recevoir appel auditeur téléspectateurs ak internautes nou yo donc kam transfert li même nou ba li gen possibilité pour parler li gen droit parler tout dans débat ka expliquer ça ka passer tout dans dossier ça 38 48 12 48 nous parle extrêmement vite et ou ap noter intervention pour zanmi yo toujours baisser volume radio ak télévision clacay nou pour nous s'il vous plaît inviter nous c'est le franc-maçon et kabbaliste Makature Drouillard. N'a prend un premier appel et ça a eu le 38 48 12 48 n'a prend un premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Nous perdu premier appel là et n'a parlé extrêmement vite pour amis auditeurs téléspectateurs et internautes nous. N'a rappelé jodi en blocus invité nous c'est le franc-maçon et kabbaliste Makature Douya. Nos grands amis en ligne, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère, on a allé. Oui. Bon, quand nous disons gros bail vraiment, mais problème pays, puis gros problème pays, et problème religion. Après, ça va gagner d'autres bagages encore. Merci en pile, Makature bon, réponse. Là, réponse très courte. D'accord, réponse automatique, Makature. D'accord, merci en pile, on a allé. Et problème pays, c'est religion, mais toute approche n'a fait haut. Nous ne jamais mettre d'accent ni sous protestant, ni sous catholique, nous sur aucune religion. Ça veut dire que nous ne prenons pas de religion. Nous ne parlons pas bien de l'église catholique ni de protestant. Au contraire, nous dit que mais, nous avons la vérité. Nous ne prenons pas de religion. Là. Oui, qui différence entre cabale et maçon, s'il vous plaît? Merci en pile. Franc-maçonnerie et la cabale, différence. Ce sont des questions que nous souvent posées. La franc-maçonnerie sont institutions. Son école de mystère, son ordre initiatique. La Kabbale, c'est une sagesse. On parle de la sagesse de la Kabbale. C'est une connaissance. Ça veut dire que Kabbale, son connaissance, il vient de mot Kabbala qui signifie tradition, transmission. Son bagage en tradition, en transmission faite de bouche à l'oreille. Tandis que la franc-maçonnerie, son institution, ou bien la franc-maçonnerie opérative, la franc-maçonnerie spéculative, qui gagne origine dans le temps. Jean le construit, il gagne toute modalité de fonctionnement et il constitue un égrégore à travers ses membres et les gens qui adhèrent à elle. Ok. Merci un peu. On apprend l'autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et moi, merci pour l'émission. Et moi, merci en cas de vue. Et pour Jean, la fête de bas. Comme moi, il était dans l'île. Et j'ai aux audiences, je ne pas attaquer les protestants, les catholiques. Je me trouve très professionnel. Question moyenne, je demande à M. Makature, et comment les francs-maçons ou les pays, comment vous voulez participer dans le changement pays? C'est une entité qui n'a pas trop fait parler d'eux socialement. Comment nous avons ça passé? Et comment les francs-maçons, disons, je voulais participer dans le changement de pays. Merci. Merci en pile pour participation. Bon, je vais compléter ça. Le silence des francs-maçons, nous avons un bon rituel, nous connaissons, et puis kidnapping a fait, nous ne disons rien, nous ne disons rien, nous ne disons rien, nous ne disons rien. Ben, bah, ça a dépassé nous. On a l'air, compléter ça pour vous. Ok. Nous y'a là, mais cependant, moi-même, je dis que moi, je ne vais pas fonctionner sur base d'étiquette, mais son présentation. Ou ben moi mais en même temps on dégage du mougan depuis 18 ans mougan zogué et me fait étude non pas quelque autre ordre initiatique et cela on pas besoin présenter et non seulement étiquette n'a pas dérangé ni le pas rangé
Elle dit que et moi quoi que dame nan Dion Bay qui que moi-même souvent dit à travers mes émissions surtout époque que me donne en radio sur là. OK, me devons faire des émissions et que m'estimer que connaissance franc-maçonnien li plus européen. C'est-à-dire que li manque adapté à réalité que nous gagnons yo parce que si ou gon code de vie ou gon code de conduite, li pa mettre en garde contre coup de poudre, écoute l'air, écoute bagaille que tradition la gérer. Mais ben c'est que faut nous gagner un ordre qui font un syncrétisme, un brand qui plus ou moins adapté à la. C'est-à-dire que tu as raison en ce sens, il y a beaucoup fait ça, il doit faire, mais cependant, je pense que c'est un moment dans mon occasion que j'ai raté, lorsque plus grand frère maçonnien, au niveau du 17e, 18e siècle, et l'Aldeye, surtout avec et Martinez de Pasquali, présenté, qui lui-même c'était maître William Mose, qui a géré en France, en Europe, avec un frère maçonnier très avancé. Mm-hmm. Maintenant, même document frère et Martinez de Pasquali, je m'en ai dit côté où si vous gagnez. Nous pensons que réellement, nous avons une franc-maçonnerie qui doit plus orienter vers Haïti que en maçonnerie, en franc-maçonnerie qui oriente vers l'Occident, l'Europe et autres. Dans ce sens, vous avez raison, il faut beaucoup plus pratique. Même dans le monde, il y a des gens qui ont une dimension universelle, qui ont un travail et qui croient que le changement qui a effectué, qui a fait. Parmi lesquels, moi, c'est une là-dedans qui a parlé en pile, mais qui a écrit en silence. On continue à recevoir l'autre appel. Nous avons un ami en ligne. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, félicite nous pour l'émission. Hein. Moi, une question femme pour monsieur. Hein. Quand on a mentionné leur fille est avortée ou bien leur fille est tombée, leur fille est avortée volontairement ou bien leur fille est tombée, si a un homme ça, est-ce que nous avons dit que lui allait nous sommes dans l'enfer, ou bien ce qui monte à lui-même, vu que il était dans le lieu très saint, qui c'est votre maman, et que il n'y a pas de temps un jour sous terre, nous avons connu qui a venu, qui monte ça. Mon deuxième question, nous avons connu, est-ce que l'événement, nous prévoyons, est-ce que nous avons reculé, ou bien nous avons empêché de vivre? Merci un peu pour la participation. C'est de belles questions, que nous avons et m'a profité de dire, dame, ça, que. Et tout est avortement et provoquer une descente d'un homme. Et avortement provoquer une descente d'un homme, c'est-à-dire que l'homme ça n'est pas remonté. L'homme ça n'est pas remonté. Il est en attente, en prochaine occasion, que ce soit beaucoup de maman, que ce soit beaucoup de papa, pour lui faire descendre. Maintenant, c'est quoi causé ou aborder un sens qui est élevé parce que l'homme ça n'est pas remonté. Et que il y a tant d'occasions pour lui faire descendre. Maintenant, c'est ça qui fait que, ou qu'on perd un petit monde dans le premier temps, si on peut le faire l'autre bon, après, hein, ou à son bange lié. Parce que le fait que lui était non plein qui biba, l'a participé à une série d'expériences et je le projeté sur le monde qui était provoqué descendre. Que ce soit du côté maman ou du côté papa. Il participe à l'expérience hein, et le où il veut faire petit monde ça descendre, ou pas gros petit monde comme ça. Souvent, c'est des précoces que vous avez et c'est des surdoués qui font des merveilles et qui et font ces bagailles. Maintenant, moi, j'ai besoin que nous comprenions tout et que nous paquettons notre science. Et par votre mentionnement, nous qui appelons masturbé voyé à terre, masturbation sur le plan scientifique, vous n'avez pas gagné. Mais il y a un problème parce que l'idée d'amour, on a parlé là, depuis qu'on est voyé, dans quelque condition, c'est pas dans bon bouton femme qui est tombé. Peu importe, c'est ton bousin sous champ de masse, mais le ciel reconnaît un dans femme ça, il constitue sale doyé, il tombe en donne. Mais depuis, pas tombé en donne, il tombe dehors, il tombe à terre, j'en sais, fait, il explique dans l'histoire et dans l'Ancien Testament, ou bien. Et depuis le tombe à terre, ou fait un démon avec Lilith. Ça veut dire que, soit sous chroné, ou t'as masturbé nos bouteilles noires, et déchaîné ta bon résultat, ou t'as fait comme avec, n'est-ce qu'il y a même boule bolette, surtout, ce que m'dekon fait comme expérience, l'homme des jeunes m'dekon fait merveille. Maintenant, m'papa élaboré sous question ça là, mais, gain dossier, et gain danger, gain l'obéi, la question sexualité, sous le plan mystique, n'a qu'à parler de quoi c'est ça. Le dernier appel, Saül, on apprend le dernier appel. Et nous avons mis en ligne 38, 48. Et deux questions, les dépôts. 38, nous avons l'autre angle, nous avons l'autre aspect. Et nous avons deuxième volet. Est-ce que nous avons retardé tout événement? Yeah, mais c'est ça, l'événement. L'événement prophétique en allée. Oui, nous sommes capables de retarder, nous sommes capables de bloquer, et c'est ça que nous avons expliqué là. C'est-à-dire par rapport avec conflit mystique qui est. Parce que
les gros pays yo pas amusé au vin la qui déchets seulement dans la mer yo amusé yo y a plagé déchets toxiques mystiques sur chaque la France a fêté des bagailles chaque États-Unis a fait Thanksgiving chaque yo même y a fêté des moments en bien yo déchargé toute une série d'énergie que après les backyard yo et arrière-cour yo et que Haïti a recevoir yo maintenant nous gon bagarre à partager entre yo là jugement fait au niveau de soleil là li proclamé déjà c'est-à-dire qu'on justice cosmique universelle par rapport à mal yo fait nous faut gagne des monde et gagne des monde me garantit nous ça nous c'est un monde qui retarde des événements qui doit faire Haïti qu'on des monde qui gon dit quitter bagarre en fait même papa quitter le fait parce que nous besoin libération en Haïti et si a la produit a une infusion quand même de sang. Mais cependant, en quittant le fait qu'il y a eh bien, il y a un bénéfice de fusion. C'est parce que, il n'y a pas fait la caillou avant, qui fait tremblement de terre, il fait la caillou, nous pas bénéficier de fusion. Il y a délégué Bill Clinton, vient ramasser Cob, et vient prendre toute l'argent sous de nous. OK? Numéro de téléphone, nous, c'est un ami en Haïti, à l'étranger, qui t'a aimé entrer en contact avec vous, ma capture. C'est 36-64-06-90. 46-10-87-59. Je ne vais pas bien t'en noter. 36-64-06-90. 46-10-87-59. 46-10-87-59. 36-64-66-90. Eh ben, 36-64-06-90, dis-je. 36-64-06-90. Moi, pas gagné en quel compte YouTube sous nom et Facebook sous nom Magatulouya ni Douya. Tout bas, mais c'est Ramad, alias Ramad. Rav Magatulouya, condensé, libo Ramad. Ramad Show, Ramad Facebook. N'est-ce que tu as fait comme ça? Et bien, dès là, je n'ai pas fait. Eh bien, merci à vous. Merci à vous, Magatul. Merci pour la participation dans le blocus. Et puis, Nabdi, nous pourrons observer en première pause. On l'autre pose encore, mais là nous retournons, nous pourrons recevoir la sœur Ménos Marie Martha Marcelin. Alors, on a rappelé lui-même, c'est Adventiste du Septième Jour. Il est sorti dans l'église Hébron et de Delma 38, dirigé par le pasteur Ambroise Moïse. Un bel grand prophétie pour Haïti. Nous pourrons l'observer posant, nous retournons pour regarder qui ça le gagne dans prophétie ça. N'a fonti campé tout côte. On vous l'a déjà dit dans deuxième partie blocus là, un ben grand l'autre invité qui c'est sœur Ménos Marie Martha Marcelin, lycée adventiste du Septième Jour parce que nous avons dit en début émission, les prophéties sont plurielles, les prophéties sur Haïti, elles sont plurielles. Et ben salut oui et sœur Martha qui sont dans Jacodo. Oui, c'est une révélation. Plusieurs révélations et bon Dieu, bon moi pour mon peuple là, peuple haïtien. Quelle révélation ça y est? Ça y est, rien là-dedans. D'abord, je salue le peuple là. Peuple haïtien, je salue nous. Dans le nom Yahshua que nous connaissons, dans le nom Jésus-Christ. Je dis à son grand jour pour moi, pour être capable d'arriver là. Je suis capable de venir dans nos messages. Je fais live, mais chaque fois, je me sens que comme si le message n'a pas passé assez. Et ça te fait que je cherche contact ça pour être capable de venir dans nos messages. Première révélation que bon Dieu était bon moi après 2010, c'est 5 octobre 2011. Bon Dieu était montré moi pendant la nuit, après que je me suis passé un bon moment de prière. Et puis il montrait un grand tremblement de terre qui sortit dans la phase nord. Mais il y a un pile de l'eau pendant le tremblement de terre là. Mais c'est ça, je ne peux pas comprendre, bon Dieu, celle qui comprend, de l'eau a monté monde. Un grand tremblement de terre. Et là, je me suis réveillé dans le matin. Je fais prière, je demande à bon Dieu grâce pour le peuple là. Ça, c'est avant 12 janvier. C'est après 12 janvier. Après 12 janvier. Où tu fais révélation ça? Oui, après 12 janvier. 5 octobre 2011. Mais à l'instant, bon Dieu répond moi parce que nous avons une dimension que je parlais avec bouche à l'oreille. Il dit que
peuple a pas jeune grâce parce que peuple a pas repenti. Deuxième songe que bon Dieu te bon moi, c'est 9 février 2013. Mwen te wè un grand tremblement de terre encore et en pile bagay t'ap saute en l'air dans l'espace. Y a tombé. Mais yo pas tombé sur tout le monde. Yo pas tombé sur tout le monde. C'est des bagay tankou gros bouton un wash. A tombé mais pas sur tout le monde. Gen moun y a tombé sur yo. Et puis moun a couru en pile cri. Mais depuis là, bon Dieu pas parlé en rien ensemble avec moi. Encore il pas dit aucune révélation, il pas ban aucune motion sur ça du tout. Mais il t'ai fait une promesse. Il t'ai fait mon promesse 12 janvier 2011. Il t'ai fait mon promesse, il t'ai dit moi comme ça parce que moi t'ai levé dans matin, moi t'ai fait toute journée en peur. Moi t'ai fait toute journée en peur, moi t'ai senti de temps en temps me frémir. Me senti son peur qui était dans moi-même et pendant que soleil a fait pour aller coucher, m'étais chita seul en côté et puis la foi de Dieu parlait avec moi, il dit ou pas besoin peur. Là m'a frappé ou rester connecté. Il passe en condition ensemble avec moi. Il dit ou pas besoin peur, rester connecté. Là m'a frappé ou connaît. Donc bon Dieu va le frapper là pratiquement. Gen date, gen jour, m'pa konnen nan troisième révélation, peut-être gen ki des bagay li dzou personnellement, ça y est. Pendant mois de septembre 2020 là, li bon trois messages. C'est pas révélation. C'est de comment, bouche. Comment recevoir message ça? Pendant abdomi, pendant chita, vision, songe, m'pa konnen. Ça y est. Gen dwa chita, mais depuis moi en silence. Pas gen bruit côté mié a, li di m tel bagay fait tel bagay. Que veut dire premier message était ban moi en mois de septembre, c'était 5 septembre. On sabat, m t'en prière. Pendant même m'pote ko terminer prière et puis li di m que di peuple là, m pour le frapper. M dit waouh Seigneur. Bouche à l'oreille. Deuxième message, c'est 12 septembre. 12 septembre. Dans l'après-midi, dans l'espace que je priais, je suis chita, seul, bien calé, puis la voix de Dieu dit, dis peuple là, je pourrais le frapper. Il tourne dit, même j'ai encore. Dis-moi, Seigneur. Troisième message, moi, mois de septembre, c'était 25 septembre. Pendant dans la journée, et puis les dîmes encore, dix peuples là, les pas dîmes, dix peuples là, les dîmes, Jérémie 16, verset 18. Ça le dit, texte ça. Texte là? Non, Jérémie 16, ça, qui message vient là-dedans? Parce que je n'ai pas une Bible là-dedans. Je m'appelle pour peuple là. Jérémie 16, verset 18. Entre-temps, après avoir suivi Blocus, oui. Notre émission de prédilection. On allait. Jérémie 16, verset 18. Il dit, les malgardés, il dit comme ça, je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Donc c'est toute raison ça qui fait libre le frapper pour abomination, idole et pour ça. Dernier cause... message en mois de septembre dans l'idime, dit peuple là pour qui ça le pourra le frapper. Parce que peuple là fait trop idolâtrie. En pile abomination. Elle dit, le professeur, me dit, waouh, mon pays. L'Éternel dit, mon pays. Mon pays. Il dit, peuple, dans le troisième message, dans le mois de septembre, pour qui ça? Il pourrait le frapper. Il va dire date. Il va dire date. Non, 2021, mais, non, joue l'Éternel dans le joue l'Éternel dans le l'Éternel. Joue l'Éternel dans le l'Éternel. Il pas bail date. La seule chose moi dit que depuis en 2011 il bon première révélation
Deuxième révélation en 2013. 9 février 2013. Depuis lors, il n'y a pas de chambre d'im en yé encore. Mais maman, do, et je dire, c'est parce que je senti, excusez, c'est parce que je senti, je senti que faut pas pas loin, mais bon Dieu, pas bonne date. Non, il pas bonne date. Oui, généralement, l'entendre on voit, et ça faut dire voix, et l'éternel, ça faut dire voix de Dieu. Comment il dit, faut son des voix, n'importe voix qui parle, et surtout une bonne prophétie. Et mon gana baye, prophétie, ça va pas arriver à réaliser. Paul en a réalisé, mais il ne doit pas réaliser tout. Comment on peut connaît que c'est Dieu réellement qui t'a parlé avant. Comment on fait connaître ça? Parce que dans nos voix, il y a toute qualité de voix qu'on attend dans le cosmos. D'accord, dans ce sens, moi-même, je fais un peu l'expérience à bon Dieu. Bon Dieu s'est servi avec moi, il a parlé avec moi longtemps, il a parlé avec moi, ça le dit mieux, il a toujours fait. Il a toujours fait. Eh bien, on a mis au téléphone, c'est un ami qui voulait rester en contact avec vous, sœur Minos. Par contre, si le a fini, mon dernière révélation. Non, mais très courte, moi 30 secondes pour faire ça. Ok. Dernière révélation que bon Dieu te ban moi, c'est 5 octobre 2020. Et le m'a gardé 5 octobre 2020, 5 octobre 2011, 9 ans. Je dis, ouais, ça a gon bagay la dan. Ce qui révélation, m'te wè, pendant la nuit, si elle a tout clairé, 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 li ban mon couleur or. Et après, moi vois tout niajo yo rouge. Niajo rouge et moi vois la lune non parce que c'est pendant la nuit. Moi vois c'est pendant la nuit que lié et puis la lune n'a qu'à déplacer. À chaque moment, il change en phase. Ça seulement moi senti dans révélation ça qui c'est 5 octobre 2011 2021 qui moi viens comparer date là me dit ouais Seigneur Ogon ou gon bagage nan 9 ans 9 ans ça jour pour jour. D'accord. Téléphone nous, si gen moun ki vle contact ou. Téléphone non c'est ou pa gen nan tête? Oui, moi gen deux numéros. Que ma baye. Premier numéro a. Bon, on senti que on te vle fonti approche à peuple là. Non pa gen temps non ce matin. On a le baye numéro téléphone. Bon Dieu baba avertissement pour grand merci. Li vle peuple là passer dans phase repentance. Tout le monde qui prend conscience et qui veut repentir, je suis sûr que si bon Dieu a un avertissement, il y a une grâce. D'accord, téléphone. Téléphone, et c'est 37 03 00 44. Répétez encore. Répétez. 37 03 00 44. Tu as un numéro pas, oui, pas vrai? Numéro ça, c'est numéro frère qui. Qui d'accord, deuxième numéro. Numéro PAM, c'est 39 01 79 97. 39, reprends encore. 01 79 97. Merci en pile, Sœur Martha. À bon entendeur, salut. Merci. N'a pas rappelé, invitez-nous. Deuxième invité, c'était Sœur Minos, Marie, Martha, Maslin, lycée adventiste du 7e jour. Et puis, rapidement, avant d'aller, mes citations nous portent pour aujourd'hui. La vie est longue dans le malheur, mais elle est courte dans la prospérité. Ça, c'est un proverbe latin. Et puis, le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme, selon Bouddha. Et puis, le malheur peut être un pont vers le bonheur. Ça, c'est un proverbe japonais. Et bon monde qui gagne élégance naturelle, une distinction remarquable, le sa ou ka di moun sa, li gen la classe. Donc avoir de la classe, c'est ça, ça vle dit. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus. Pour commentaires, critiques, suggestions, analyses, pas oublier écrire dans le numéro WhatsApp 37 62 47 95. Pas oublier écrire dans l'adresse électronique qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus temps. Eh bien, technicien qui te permet d'émission ça réaliser, c'est et Dimitri Lotur et puis le roi Saül, sans pas oublier Pedro, Joseph, pour te présenter au blocus, ce qu'on est déjà dans le micro, non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom, P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Télestorm pour servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. Lola. Les chimères là.